Goodbye. Bonjour Moumouni Sanou le chat. Alice. C'est un très grand plaisir de montrer Garderie Nocturne en première internationale à Vision du Réel en section Latitude. Vous avez posé votre caméra à l'écoute d'un groupe de femmes dans votre ville à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez entendu parler de cette garderie? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je salue toute l'équipe de Vision du Réel. Merci d'avoir sélectionné le film Garderie Nocturne dans votre festival, qui est aussi l'un des plus grands festivals du monde. Ça me fait plaisir d'avoir mon film là-bas. Voilà, moi je suis burkinabé, né à Ouagadougou, mais je vis à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, c'est ma ville. Il y a un lieu à Bobo qu'on appelle le Black. Le Black, c'est une ruelle qui est animée tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans cette rue, tu as plusieurs maquis. C'est là-bas que tu as la prostitution, tu as la drogue, tu as les pickpockets. Voilà, c'est un coin de la ville qui est tout le temps chaud, comme on peut, si je peux le dire ainsi. Et moi, j'aime fréquenter ces genres de coins. J'aime fréquenter ces genres d'endroits parce que voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Et, je suis un noctambule. Donc, du coup, quand je sors, je fais le tour de la ville. Donc, c'est là-bas que j'ai terminé mes soirées. Donc, c'est arrivé là-bas depuis 2010. Voilà, j'ai commencé avec... j'ai un look voilà, qui n'est pas comme les autres garçons. Si vous regardez bien, ouais, j'ai des tresses. Donc, voilà, par rapport aux autres garçons de Burkina, de Bobo. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, cette travailleuse de sexe, elle me voyait autrement. Et j'ai commencé à sympathiser avec elle parce que ce n'est pas évident de voir des gens qui sympathisent avec ce genre de filles parce que voilà, on les voit seulement comme des travailleuses de sexe. Il n'y a aucun respect envers ces filles. Il n'y a aucun, aucune considération envers ces filles. Mais moi, ce n'était pas le cas. Moi, je les respectais humainement comme ça. Voilà, on posait, on discutait. Depuis 2010, au fur et à mesure, on est resté ensemble plus que 5 ans. De 2010 à 2015, on posait. Voilà, je les rendais des services. Ils pouvaient venir, elles pouvaient venir me voir. Moumouni, voilà, est-ce que tu peux me déposer ici parce que je n'ai pas l'argent de taxi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Moi, je le faisais comme ça sans arrière-pensée. Je le faisais comme ça sans arrière-pensée. Donc, on continuait de causer au fur et à mesure avec cette fille. Jusqu'à un jour, il y a une d'entre elles, Adam, qui m'a demandé est-ce que je peux l'amener aller chercher son enfant. J'ai dit, ah ouais, on est ensemble depuis... ouais, je ne savais pas que tu avais un enfant. Oui, oui, j'ai un enfant. J'ai dit, mais l'enfant est où? L'enfant est chez une vieille. Je dis, ah bon, moi, personnellement, ça m'a étonné. Je dis, c'est une vieille où? Que non, il y a une vieille qui est là. Quand elle, les travailleurs de sexe veulent venir faire leur travail voilà, de prostitution, je m'excuse du mot, elles sont obligées d'aller donner l'enfant à Gapé. Et du coup, moi, je l'ai suivi pour aller voir comment ça se passe. Et quand je suis arrivé, je suis rentré, j'ai vu, waouh, c'était... je sais pas, c'est incroyable, quoi. Tu peux même pas t'imaginer que ce genre de choses existent. Donc, dès que j'ai vu ça, vu que je suis, j'ai fait l'école du cinéma et je suis un peu dans le cinéma, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai dit non, voici, ça, c'est un sujet très, très sensible et très important. Comment pouvoir faire pour réaliser ça en un film documentaire réel? Donc, c'est parti à partir de là. Voilà, c'est parce que c'est cette fille que j'ai eu à approcher au début que je n'ai pas stigmatisé, que je n'ai pas négligé, que j'ai considéré, c'est elles qui m'ont permis de savoir qu'il y a une garderie. Et c'est à partir de là que l'idée est venue pour pouvoir faire le film Garderie Nocturne. Et juste pour préciser aussi que le titre Garderie Nocturne, c'est moi, j'ai créé ça, parce qu'elle-même, elle n'a pas vu donner l'enfant. Après, j'ai dit non, la vieille madame connaît sa belle-fille, garde les enfants, c'est que c'est une garderie, mais c'est une garderie de nuit. Donc du coup, j'ai dit Garderie Nocturne. Vous ne filmez pas seulement la garderie, mais vous racontez aussi le quotidien de ces femmes. Mmh. Vous filmez chez elles, vous filmez des moments très intimes qu'elles passent avec leurs enfants.
On découvre aussi cette sororité qui est très forte, très belle dans votre film. Et je voudrais savoir comment vous avez tout simplement travaillé ensemble. On a commencé à filmer, je faisais juste aujourd'hui, ça avait à peu près 2 ans, il y a 2 ans de cela. Quand j'ai parlé avec ces filles, d'abord, la caméra n'est pas venue comme ça. La caméra n'est pas venue du jour au lendemain. Elles savaient aussi que j'étais dans le cinéma. J'ai commencé à discuter avec elles pour savoir, voilà, je vais faire un documentaire sur vous, je vais faire un documentaire sur votre enfant, je vais faire un documentaire sur la garderie. Et ces filles m'ont dit, écoute, le chat, si c'est toi qui veux faire un truc sur nous, il n'y a pas de souci. On est ouvert, on est d'accord. Si ça serait quelqu'un d'autre qui venait ici nous proposer des millions, on ne va jamais accepter. Et tout au début, c'est moi, je devrais filmer parce que je suis cadreur aussi. Comme c'était un sujet sensible, c'était compliqué de voir quelqu'un d'autre qui allait venir d'extérieur pour filmer. Donc, au fur et à mesure, parce que moi et puis ces filles, c'est devenu comme une famille. C'est tellement soudé que elles s'habillent devant moi et puis voilà, elles font ce qu'elles veulent sans se rendre compte même que je suis là. Et avec la production, quand c'était le moment de faire le tournage, la production a dit non, ça serait bien d'avoir un autre cadre. Comme ça, j'allais avoir voilà, le temps et puis l'esprit tranquille pour pouvoir gérer la réalisation. Et c'est en ce moment que la production a fait venir un caméraman, Pierre Laval, qui est un bon caméraman, et un ingénieur de son, Corneille, que je salue de passage aussi. Et malgré l'arrivée de ces personnes, avec les filles, ça allait. Avec les filles, ça allait. Parce que tellement elles m'ont dit, écoute, le chat, c'est toi, on connaît ces personnes, c'est des étrangers. Si toi, tu les fais confiance, nous aussi, on les fait confiance. Donc, il n'y avait même pas de tabou, quoi. C'est presque comme la caméra même n'existait pas. Et je vous dis, lors du montage, on a eu à couper beaucoup de scènes pour ne pas exposer leur nudité. Ce n'est pas un film pornographique. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est des travailleurs de sexe aussi qu'on doit se permettre de montrer tout. Non, mais elles étaient tellement à l'aise face à la caméra que beaucoup de personnes se posaient la question pour voir est-ce que c'est une fiction ou c'est un document. C'est un film documentaire. Voilà, c'est parce que la collaboration entre moi et cette fille, c'est ça qui a permis de pouvoir filmer comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, moi et cette fille, et puis la vieille, on est toujours ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est une chance pour moi, le fait d'accepter ces personnes comme elles sont au début, tout en sachant que tout, voilà, je les ai acceptées comme elles sont parce que je n'avais pas mis dans ma tête que j'allais faire un documentaire. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, quand ils veulent faire un documentaire avec quelqu'un, on chouchoute les personnes, voilà, juste dans le but de pouvoir faire quelque chose. Dès que ça finit, tu te casses. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Donc, Oui. c'est ça qui m'a permis de pouvoir, voilà, filmer tout avec des réserves comme il le faut. Il y a une femme qui laisse son enfant bien plus qu'une seule nuit à la garderie. Et c'est une femme qu'on rencontre dont le récit est très dur. Il y a beaucoup de violence qu'on ressent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre-là et comment vous avez décidé de l'intégrer au film? Quand je suis arrivé pour le tournage, elle me disait tous les jours, ah, il y a une fille qui m'a abandonné son enfant plus de 1 an. Donc, je ne sais pas si elle est en vie, si elle est décédée, je ne sais même pas quoi faire de l'enfant. Et vu que je garde les autres enfants, je n'avais pas les moyens pour m'occuper de l'enfant, je ne sais pas quoi faire. Moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai vu que c'était les problèmes de moyens. Et moi, personnellement, je m'étais déjà engagé. Je m'étais déjà engagé pour m'occuper de cette fille qui est avec elle de payer les frais qu'il faut, de la payer les vêtements, tout. Je m'étais déjà engagé là-dessus. Et on est resté, c'était le 3e jour du tournage, alors que la dame m'avait parlé de ça pendant plusieurs jours avant le tournage. Et le 3e jour du tournage, parce qu'il y a Pierre qui était là, c'est un Français, il comprenait pas la langue. L'ingénieur son, c'est un Béninois, Corneille, il ne comprenait pas aussi la langue. Il me demandait, voilà, le chat, on fait quoi? J'ai dit, non, vous filmez tout. Parce que je sais que tout ce qui se passe dans la cour, ça concerne. 3e jour du tournage, aux environs de 17h, de 17h, 18h, c'est-à-dire 19h, 20h, heure de Suisse, on voit une fille qui débatte avec un sac, et puis nous, on filmait comme ça.
Moi, personnellement, même je ne savais même pas qui c'était la maman de Charlotte. Et elle a apparu dans le film comme ça. Du coup, alors qu'elle avait disparu plus de 1 an. Elle avait disparu plus de 1 an. Et c'est là maintenant qu'il y a eu un choc dans le film. Vous voyez qu'elle dit, non, tu ne peux pas m'abandonner l'enfant comme ça, comme si c'est une chienne. Si tu venais trouver que l'enfant est décédé, c'est moi, tu allais appeler la police allait m'arrêter. Donc, en cet instant même, elle était vraiment fâchée, elle était rageuse. Elle voulait que l'enfant quitte même sa garderie tout de suite. Elle voulait que la maman et puis Charlotte n'ont pas quitté la garderie. Mais à un moment donné, j'ai demandé pardon même sans ça. J'ai oublié que ça tournait même, quoi. Je ne sais pas, à un moment donné, si vous avez regardé le film, vous attendez ma voix qui dit pardon. Voilà, j'ai dit sans doula, mais ça a été sous-titré. J'ai dit pardon pour Charlotte sans savoir même, quoi. Parce que j'étais tellement aussi là-dedans. Donc, cette histoire est venue comme ça. Au fait, Charlotte a été abandonnée. Voilà, je peux dire les dieux des documentaires étaient avec moi ce jour. 3 jours juste après le 3e jour du tournage, la maman est revenue. Vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe technique qui vous a rejoint. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette collaboration? Bien sûr, l'équipe technique vraiment c'est à remercier beaucoup, c'est-à-dire le chef op qui est Pierre. Je le salue bien, je salue Corneille. Je salue aussi le chef monteur qui est François Sculier et Rémi. Voilà, au début, un film ne peut pas se faire seul. La production a fait venir l'ingénieur du son et il a fait aussi venir voilà, le chef op qui est Pierre. Ces personnes, ils m'ont vraiment compris, malgré qu'ils ne comprenaient pas la langue, ils m'ont soutenu lors du tournage. Et ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé. Voilà. Et hormis ça, voilà, c'était pas facile pour moi parce que j'étais monté en Europe pour le montage. C'était pas vraiment facile pour moi en ce moment. Mais j'ai reçu le soutien de François Sculier et le soutien de Rémi. J'ai reçu vraiment des soutiens moraux de ces personnes qui m'ont vraiment poussé voilà, à continuer dans le montage du film. Donc, je ne peux pas faire voilà, un interview sans dire un grand merci à ces personnes. Voilà, vraiment, l'équipe technique m'a vraiment beaucoup soutenu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon ministre Anoulocha. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. Nous nous réjouissons de montrer Garderie Nocturne à Vision du Réel. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.